Et voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on entre vraiment dans le vif du sujet, hein. Bon, ça fait déjà quelques mois que j'ai fait cette étape, je vais pouvoir la présenter aujourd'hui. La conception de la tiny house, avant de passer à la construction, c'est très important de réfléchir à comment faire. Et aujourd'hui, ce sera un peu spécial parce que moi, c'est un peu mon métier de fabriquer des choses. J'ai une formation donc d'ingénieur, je suis spécialisé dans la mécanique. Alors, je ne faisais pas du tout des tiny house à l'époque quand je travaillais dans l'industrie. Mais voilà, j'ai plein d'outils, je sais à peu près comment faire des choses. Et déjà un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de documenter un peu leur construction sur YouTube, par leurs vidéos ou leurs documents, l'Art Serbillon, les Livingstone et tous les autres. J'ai vraiment, grâce à ça, pu voir un peu comment ça marchait, faire de la construction. De Saturbois et tout ça, et c'est vraiment grâce à vous aujourd'hui que je peux aussi moi me lancer. Alors vous verrez que après j'ai mis un peu mon œil d'ingénieur là-dedans, voir comment on fait les choses, mais le fait est que c'est vraiment grâce à vous si j'ai pu voir un peu, parce que je connaissais pas du tout ce domaine-là. Alors vous verrez, il y aura plein de choses intéressantes, mais voilà, assez parlé, on va commencer. Donc sans vous montrer la version finale, on va commencer par le commencement. Et le commencement, pour moi, c'est la remorque. Donc la remorque, là, elle est simplement modélisée, hein. Si vous pouvez récupérer le modèle 3D chez le fabricant, tant mieux. Sinon, récupérer un plan et modéliser là, c'est hyper important. À noter que vous voyez que moi, je ne suis pas sur SketchUp, hein. J'utilise un logiciel professionnel que je connais beaucoup mieux que SketchUp finalement, donc voilà, je ne critiquerai pas SketchUp, mais c'est moi ce que j'utilisais de manière professionnelle. Alors cette remorque, première spécialité, elle a les roues dessous. 6 mètres par 2,50, ça va nous faire gagner plein de temps partout, simplifier la construction, simplifier plein de choses, donc améliorer la qualité aussi, améliorer l'étanchéité, bref. Par contre, c'est pas gratuit, hein. Ça fait que le plancher, là, il est à 60 cm au-dessus du sol. Et donc, on perd un tout petit peu en hauteur. Il me semble qu'on perd à peu près 4 cm par rapport à une remorque qui aurait un caisson avec les roues qui dépassent un petit peu. Pour moi, de toute façon, vu l'isolation que je vais devoir mettre, etc., j'avais choisi de sacrifier la mezzanine. Vous verrez que mon modèle de tiny house ne possède pas de mezzanine. Vous verrez comment je fais autrement. Mais voilà, faut savoir que pour rester sous les 4 mètres en hauteur, quand on commence à avoir des murs qui font 20 cm d'épaisseur, parce qu'à 900 mètres où je serais, ben, il faut un peu d'isolation et c'est tout bénef. Donc voilà, c'est le coût à payer. Peut-être qu'avec ça, 4 cm dans une tiny, c'est peut-être ce qui va faire la différence entre le fait de pouvoir vous asseoir dans la mezzanine ou de devoir rester à peu près couché. C'est pas gratuit. Donc, sinon, la remorque, rien de bien spécial, hein. On peut passer à la suite. Donc, après la remorque, je vais un peu cacher tout ça. Un instant. Alors. Voilà. Sur la remorque, qu'est-ce qu'on a? Eh ben. Bon là c'est modélisé grossièrement, hein, mais on a évidemment la tôle qui permet d'éviter les rongeurs. Donc là au départ je pensais peut-être faire de grosses économies, économiser à peu près 200, 300, 400 euros en mettant un grillage avec des mailles de 6 mm qui empêchent les rongeurs de passer. Mais de nouveau un grillage dans 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui va devenir? Et le voisin m'a fait justement la remarque, donc finalement bah, ce sera une tôle perforée classique. Et par-dessus le pare-pluie. Après, on va passer étape par étape. Donc là, j'ai un premier mur qui apparaît. Et un mur, comment c'est fait chez moi? Eh bien déjà, on va aller voir ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et là aussi, on va faire étape par étape. Alors, au départ, j'ai des poutres. Alors, chez moi, voilà, elles font 150 mm de profondeur pour contenir 15 cm d'isolation. C'est pas rien, mais pour moi, c'est très important. Et on voit, on a les ouvertures pour une fenêtre ici. Et puis, ça, c'est des ouvertures un peu sanitaires pour
Éventuellement, au départ, je pensais faire passer des conduits de cheminée ou une sortie d'eau. Voilà, là j'ai trois ouvertures. Ce mur est très simple finalement. Il y a juste une fenêtre et quelques ouvertures par-ci par-là. Et on voit aussi l'écartement entre la majorité des poutres verticales. C'est 550 mm, en sachant que l'isolant fait 570, donc il sera compressé de 2 cm, ce qui est idéal. Donc là, j'aurais pas du tout besoin de couper l'isolant, à part en hauteur, évidemment. Je pourrais tout simplement le glisser au milieu, et ça va faire gagner aussi un temps précieux. Vous voyez que toutes mes poutres ici, elles font 27 d'épaisseur. À part en bas ici où j'ai besoin d'un peu plus de solidité, j'ai du 50. Et puis ça, c'est une petite spécialité, les deux poutres ici, c'est des poutres qui en fait vont permettre de soutenir le lit qui... Ah, on verra plus tard comment je fais le lit, hein, mais voilà, qui sont aussi des poutres de 50. Et j'ai aussi des poutres de 50 ici et ici qui vont permettre de soutenir le poids de la réserve d'eau. Je prévois de stocker quelques centaines de litres. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a qu'en fait on a des découpes là, vous voyez ma poutre ici, moi toutes mes poutres elles font 3 mètres, il n'y a pas une poutre qui fait plus que 3 mètres, donc là j'en ai une, et puis on va voir en haut aussi, ici, donc là en fait ce mur il est en deux parties, ça sera plus facile à monter aussi, et puis ça m'évite de devoir transporter des poutres d'une longueur pas possible, et on pourra très bien faire tenir ça, il n'y a pas de problème. Après, à l'extérieur, on a le pare-pluie, hein, qui est toute la surface ici, bon, du classique. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité dont je suis très très fier, que j'ai moi-même un peu découverte. C'est pas une invention de ma part, parce que ça existe déjà, mais c'est très peu courant dans la construction, alors que pour moi, ça a d'énormes avantages. Ceux qui connaissent un tout petit peu, ils auront déjà remarqué ici qu'il y a quand même une spécialité, c'est qu'il n'y a aucun contreventement pour l'instant sur mes murs. Alors justement, ça fait gagner du temps et ça fait des choses beaucoup plus simples, mais il faut quand même contreventer, hein, pour pas que mon joli rectangle il devienne un parallélogramme dès qu'il souffle un peu fort. Donc... Voilà ce qui se passe. Donc moi... J'ai des lithos à l'arrière, on va essayer de se mettre un peu différemment, hein. Voir ça un peu mieux. C'est de l'autre côté évidemment. Voilà. J'ai des lithos ici qui sont à 45 degrés, hein, des lithos qui font 60 mm de large par 20 d'épaisseur. Et tout ça, ça me sert de contreventement. Donc c'est vraiment une conception assez intelligente. Où on utilise une pièce qui normalement sert juste un peu à faire lame d'air pour mettre la couverture. Ici, on s'en sert aussi pour faire contreventement. Donc voilà, les pros, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit chèque parce que si vous reprenez cette idée, parce que ça, c'est le genre de truc qui fait gagner des centaines d'euros quand on construit sa tiny. Là, je vous ai donné un peu mon secret. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a deux, trois détails qui sont là pour la conception. Et le bardage qui arrive par-dessus. Bon, rien de fou jusqu'ici. On va repasser de l'autre côté du mur. Donc, ici, là, à ce moment-là, on pourra mettre toute l'isolation en place, hein, au niveau des poutres. Et... Le pare-vapeur évidemment qui est mis en place. Là, j'ai quoi? J'ai quelques gaines techniques. L'électricité qui chez moi sera entièrement en 12 volts. Le support pour. Ouais, ça, c'est du petit détail. Bref, on passe au lambris qui vient par-dessus. Et là, c'est mes supports pour le lit. J'en reparlerai après. C'est simplement des rails d'étagère qui vont permettre de me faire monter et descendre le lit. Régler la hauteur du lit pour dormir la nuit avec assez de hauteur au-dessus de la tête, et la journée pouvoir monter le lit au plafond et gagner de la place. Voilà. Avec tous les espaces donc qu'on utilise, certains que la journée, d'autres que la nuit, et ben voilà, c'est plutôt pas mal si certains espaces de la nuit, on peut les transformer la journée pour en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'autre mur, bon ben ça c'est à peu près la même chose, à part que
C'est la porte qui passe. Après, alors là aussi, vous voyez une petite spécialité, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de sol. Le sol, hein, il viendra plus tard. Là, on voit que mes murs, ils sont posés directement sur le pare-pluie, sur le châssis. Et puis, ça facilite quand même l'assemblage. Il n'y a pas besoin de retourner la partie sol pour mettre le pare-pluie en dessus. Ce sera quand même quelque chose de plus simple pour ma part. Et pour brider les murs directement sur le châssis aussi, à mon sens, ce sera plus simple. Voilà, donc justement, maintenant c'est le moment de mettre la partie sol. Donc on va voir comment c'est fait. Alors le sol, donc on va le mettre un peu droit, voilà, vu de dessus, un peu. Vision 3 quarts. Donc, ça ressemble au reste, hein, évidemment. On va d'abord regarder l'ossature. Voilà. Alors, là, on a tout en 27 d'épaisseur, ce qui devrait largement suffire. Et on peut voir donc déjà les deux ouvertures pour les évacuations, que ce soit la douche à gauche. Voilà. Avec le pare-vapeur et ces séparations donc que je rajoute pour éviter que mes planches ne se mettent en travers. Évacuation donc pour la douche et au niveau de la cuisine. Voilà, c'est tout simple. Et après par-dessus donc un OSB qui n'a pas la couleur d'OSB mais c'est pas grave. Voilà pour que ça tienne un peu, qu'on puisse monter dessus. Et ce que j'aimerais bien mettre, moi, si j'ai le budget, c'est un chauffage au sol. Donc voilà, le but c'est donc de faire chauffer de l'eau avec un panneau solaire thermique la journée et qui consomme absolument rien, la stocker dans un réservoir et redistribuer la chaleur la nuit avec, comme vous le voyez, un circuit d'eau qui passerait sous le plancher de la tiny house. Ensuite, une chape sèche. Et on finit avec un revêtement type PVC, je pense, facile à nettoyer, très pratique. Voilà, ça semble idéal comme ça. Et on peut passer à la suite. Le mur, donc le mur nord, hein, avec une grande ouverture, parce que sur mon terrain j'ai la chance d'avoir une vue vraiment dégagée de ce côté-là, avec le pâturage, les vaches, la forêt, le coucher de soleil derrière. Donc une grande ouverture ici. On va aller voir plus près comment c'est fait. Donc ça ressemble, à part qu'il y a ces deux barres là qui servent donc de contreventement très important, hein, parce que c'est pas le vitrage qui doit reprendre l'effort. Quand le vent souffle sur les murs de côté, c'est vraiment ce mur et celui qui est à son opposé qui reprennent tout l'effort, donc très important qu'il soit renforcé. Et là, au départ, je savais pas trop bien comment renforcer ce mur. Je pensais à utiliser des grandes. Je profite pour vous montrer aussi. Hein. Les lithos, mais bref, ces barres, donc c'est très pratique, acier galvanisé, barres carrées de 30 ou 42 sections qui font vraiment les diagonales, hein, c'est ça des contreventements finalement, c'est des diagonales, et certains pourraient dire, ça fait un peu prison en passant devant la grande fenêtre comme ça, et en fait ce n'est pas le cas, parce que si on les enlève, ça fait vraiment aquarium, je trouve, donc. J'avais essayé une version avec des croisillons dans la fenêtre, mais voilà, là on a vraiment le meilleur des deux mondes, puisqu'on a ces barres qui permettent d'éviter l'effet aquarium et qui renforcent grandement ce mur. Alors, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a le mur en face, qui est la même chose avec une plus petite fenêtre, mur côté, douche WC, ça. Pas besoin tellement d'aller voir le détail. En dessus, j'ai une sorte de toute petite mezzanine, mais qui là sert à mon stockage d'eau et un peu de stockage avec donc qui couvre WC d'un côté et douche.
Et là, vous pouvez voir ce qui est vraiment intéressant, c'est que la lumière peut traverser complètement la tiny house d'un côté à l'autre, à travers les ouvertures. Et donc, ce qui cache un peu les WC, là, la porte, elle peut passer devant et fermer l'espace douche WC, évidemment, quand il y a quelqu'un qui est dedans. Voilà. Alors, après tout ça, on a la menuiserie, évidemment, porte, fenêtre. Rien de très spécial ici. Et après, il y a la toiture. Alors, bac acier, on va quand même aller faire un petit tour, voir comment c'est fait. Donc, on va se mettre environ 3 quarts. On voit bien ma pente de 5 degrés, là, qui est un peu le minimum, mais qui me permet d'avoir le plus d'espace à l'intérieur. Et voilà. Normalement, la charpente, l'ossature, là aussi rien de très spécial, hein. À part que quand même il faut remarquer que la charpente est en trois parties avec mes poutres de 3 mètres, hein. Donc une partie à gauche ici, c'est toute la partie ici, après une poutre de 3 mètres qui va faire la partie centrale de la tiny et permettre de relier les deux pans de mur et la partie droite. Voilà. Donc, après, on a l'écran de sous-toiture, évidemment, un classique. Donc, vraiment attention à pas le cuire avec le bac acier. Prenez un bac acier plutôt de couleur claire, je dirais, hein. Faudrait demander tout ça à un spécialiste après, mais vraiment, j'ai l'intuition que prévoir une bonne lame d'air avec un bac acier un peu clair, laisser une ouverture, après on verra, c'est très très important pour pas réduire dramatiquement la durée du pare-pluie et après l'eau qui traverse et qui passe dans l'isolation, ça c'est vraiment terrible. Après coup, donc des litots pas très épais sur toute la longueur pour laisser l'eau s'évacuer dans le sens de la pente, et les chevrons par-dessus qui permettent donc d'y fixer le bac acier de manière assez classique, et le bac évidemment. Donc une faîtière ventilée au-dessus qui permet donc de laisser sortir l'air chaud, hein, qui va monter le long de la pente du toit. Très important. Et en dessous, on a évidemment une gouttière. Voilà, donc toit monopente, tout est très simple. Ça, c'est le gros avantage. On gagne plein de temps, on économise plein de sous. C'est vraiment l'idéal pour quelqu'un qui est dans la technique, un peu comme moi. Énormément d'avantages. Et là, on va passer en dessous, où cette fois, c'est en dessous que j'ai mis mes litots qui font contreventement, hein, ces fameux litots à 45 degrés avec le frein vapeur en dessous. Voilà, donc ils sont positionnés comme ça. Ça va vraiment permettre de rigidifier toute la structure. Et c'est léger, vraiment idéal. Je suis assez fier de cette petite trouvaille, je dois vous avouer. Après, qu'est-ce qui suit? Donc, on a évidemment le lambris intérieur, rien de spécial. Et là, il faut quand même. Ah oui, la couverture à l'extérieur aussi, évidemment, puisque ce qui est spécial, c'est que moi j'ai des débords de toiture sur tout le tour du toit qui me permettent de bien protéger mes murs. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça va permettre d'étendre la durée de vie de mon mélèze autour. Et par contre, vous me direz, bah, comment tu fais sur la largeur pour pas dépasser les 2,50 m pour aller sur la route? Et ben justement, je les dépasse, ces 2,50 m. Vous voyez là sans doute les ouvertures qu'il y a entre
entre la faîtière et la gouttière, hein, sur les chaque côté. Ici, en fait, j'aurai des débords de toiture, mais qui sont amovibles. Ça veut dire que si un jour, c'est pas vraiment prévu pour l'instant, mais si un jour je dois aller un peu sur la route, je pourrai assez facilement démonter ces parties et donc repasser à une largeur de 2,50 m sans trop de soucis. Je vous remontrerai le détail juste après. Alors après, on va juste afficher le mobilier pour voir un peu qu'est-ce que j'ai prévu à l'intérieur. Ça peut toujours vous intéresser. Voilà, ah ben là on voit bien ces débords de toiture, j'y reviendrai après. Donc à l'intérieur, ben simple, on entre donc par devant. Ici, on a un espace cuisine. Au départ, j'avais prévu un poêle, mais il semblerait que les assurances n'aiment pas trop. Alors ce sera du gaz, voilà, des rangements, comme on l'a vu avant, toilette, douche ici, toilette sèche bien sûr, et le coin salle à manger, salon, hein, avec des banquettes qui peuvent faire lit d'appoint, hein, pour des invités éventuels, bibliothèque en face, et vous me direz où est le lit, vous aurez raison, le lit pour l'instant je l'ai caché là en dessous parce que c'est un lit escamotable, qui donc la journée sera mis en position haute ici sous le plafond qui prendra pas de place et la nuit on la baisse pour avoir tout l'espace pour dormir tranquille. C'est aussi super si vous êtes un peu claustrophobe. Voilà, pour moi le lit escamotable, ça c'est vraiment un gros plus, hein. Les espaces qui servent que la nuit et ceux qui servent que la journée, autant essayer de passer de l'un à l'autre et on gagne énormément de place. Alors voilà, dernière chose, pendant mes 6 mois de woofing l'année passée, j'ai eu le plaisir de découvrir ce que ça faisait d'avoir une terrasse couverte, et donc là j'ai pas pu m'empêcher d'en refaire une. Ça évidemment, c'est pas prévu pour être déplacé si facilement que ça, mais voilà, au pire ça se démonte, et vraiment c'est un vrai plaisir d'avoir ça. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout vu. Ah, on va voir du coup ces débords de toiture, justement à quoi ils ressemblent. Je vais vite vous montrer, c'est assez simple, hein. Donc, on va le positionner. Voilà, une onde de bac acier, hein, de 250 de large avec des chevrons qui vont permettre de l'enfiler sur le côté du toit. Un concept assez simple, mais je pense très pratique pour protéger sa couverture et faire qu'elle tienne un bon bout de temps. Et là, vous vous dites sans doute que c'est super, on a fait le tour, maintenant on peut construire la tiny house. Et ben en fait, pas du tout, parce qu'il manque le plus important, il manque les plans au format papier. Et ça, donc, ça se fait toujours avec ces mêmes logiciels. On fait des mises en plan, on appelle ça, et surtout on ajoute toutes les cotes, donc les dimensions de chaque poutre, savoir quelle poutre on doit couper comment, à quelle longueur, quelle forme, etc. S'il y a des angles, des biseaux, autre chose, donc très important, passer à la mise en plan. Donc ici par exemple un exemple, hein, mon mur avec la porte intégrée, donc voilà à peu près comment c'est fait. On a tous les chiffres, toutes les dimensions, et ça on imprime. Et on le garde après à côté de la scie où on en a besoin. C'est 1000 fois plus pratique que d'avoir l'ordinateur. Il y en a qui ont essayé. Ben, je peux vous dire qu'en général, quand on a l'ordinateur à côté, on fait l'erreur une fois et la fois suivante, on imprime du papier. Il n'y a rien de tel. Donc voilà, sur la première page, on a juste la vue de l'ossature, hein, pour simplifier avec combien de poutres j'ai besoin, dans quelle dimension et les accessoires. Et sur la deuxième page, à ce moment-là, ben, là j'ai mes litos contreventés pour voir aussi à peu près quelle longueur j'ai besoin. Ça me permet de lister un peu mon matériel pour juste après faire quoi? Ben, faire un premier budget de combien ça va coûter tout ça. Alors on y vient aussi. Donc le budget, hein, ben, il y a déjà un budget financier où on évalue grossièrement à peu près combien va coûter chaque élément, à peu près 1000 euros de charpente, etc. Il y a les différents éléments, l'isolation aussi. Ce tableau, il évolue au cours du projet, on complète, on affine, etc. S'il manque des choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ben moi, pour l'instant, là, et ça a l'air de tenir à peu près la route, mon budget, sans la remorque, je suis à moins de 8000 euros. Donc avec 4500 euros de remorque, et ben, au total, voilà, un peu plus de 12 000 euros pour une tiny house.
sans tellement de mobilier à l'intérieur. Pour l'instant, le strict minimum, hein, mais on va voir si ça tient la route. C'est aussi intéressant de voir à peu près qu'est-ce qui coûte cher. On voit que moi, j'ai 2000 euros de menuiserie, hein, c'est une grosse partie, la charpente, 1000 euros, le bardage, plus de 1000 euros aussi. Et au niveau isolation, ben évidemment, toute l'isolation classique, là, elle est là, il y en a aussi pour 1000 euros, donc c'est ça qui coûte cher. Au niveau budget, il ne faut pas penser que à l'argent, parce que sur la Tiny, il y a une grosse contrainte, c'est le poids. Donc il faut aussi faire un budget, budget poids, et grossièrement aussi, là aussi un tableau, remplir petit à petit, savoir ben voilà, la remorque, combien elle pèse, toutes les poutres, etc. Et il faut partir de grossier et puis affiner petit à petit, ce qui fait que là on voit avec cette construction que j'aime bien, je dois avouer, dont je suis plutôt fier, on arrive à 2,5 tonnes pour l'instant, ce qui laisse beaucoup de marge pour tout le reste. On verra aussi à quel point on arrive à tenir tout ça, mais pour l'instant c'est plutôt encourageant. Alors voilà, là je crois qu'on est bon pour démarrer la construction. En attendant que les derniers éléments soient livrés. Et puis là, j'attends le bois en ce moment, en espérant qu'il arrive très vite. Et je vous dis à bientôt pour démarrer enfin la construction à proprement parler. Merci.